Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les riches pleurent aussi, épisode 27. Soraya est choquée. Elle demande au médecin de refaire le test. Mais celui-ci lui dit que Mariana Villarreal est bel et bien la fille biologique de Rafael Montenegro. Soraya est toujours choquée. Elle se rend sur la tombe de son père, lui dit qu'il lui mentait, qu'elle n'était donc pas sa seule princesse. Or, il avait sa fille biologique. À la fin, elle finit par conclure qu'elle restera sa seule princesse. Luis Alberto, pendant ce temps, annonce à Mariana que sa mère sera à leur mariage. Ils se mettent à parler de leurs futurs enfants. Soraya, pendant ce temps, reçoit une amie chez elle. Elle lui fait croire qu'elle a une amie qui a une sœur illégitime. Elle lui dit « Cette sœur ignore cela ». Soraya demande donc à son amie si cette sœur peut réclamer sa part d'héritage familial. Son amie accepte. Plus tard, Léon arrive dans la chambre de Soraya et cache très vite le test ADN dans son tiroir et l'emmène dehors. Léon lui demande de revenir au travail et refuse vu que Mariana est là-bas. Pendant ce temps de l'autre côté, Diego finit par avouer à Guadalupe qu'elle lui plaît bien. Ils finissent même par s'embrasser. Plus tard le soir, Léon est chez Elena. Il lui demande comment a-t-elle pu accepter ce mariage ridicule entre Mariana et Luis Alberto. Elle lui fait comprendre qu'elle n'avait pas d'autre choix, vu que le bonheur de son fils est primordial. Elle propose par la suite à Léon de mettre Soraya et Uriel en couple. Léon refuse directement et lui dit qu'il est avec Sofia. Mais Elena s'en moque de Sofia. Ils se mettent à s'embrasser. Il lui demande quand est-ce qu'il viendra vivre chez elle. Il lui dit bientôt. Le lendemain, Felipe emmène Patricia au travail. Mais en route, il somnole au volant, il rentre dans une voiture et provoque un accident. Patricia descend de la voiture pour prendre un taxi et se rendre au travail. Luis arrive chez Soraya et lui demande comment va-t-elle. Soraya lui fait comprendre qu'il a vraiment humilié. Il lui demande quand est-ce qu'elle reviendra au travail. Elle lui dit qu'elle ignore encore. Soraya, par la suite, va prendre ses fausses pilules et les boit devant Luis Alberto pour montrer qu'elle est au fond du trou. Plus tard à l'entreprise, ils constatent qu'ils ont perdu ce contrat. Luis quitte le bureau triste. Mariana le voit. Elle va lui demander ce qu'il a. Il lui dit qu'il a perdu un contrat. Il se met à picoler, Mariana l'en empêche. Il lui dit que son père n'aura plus confiance en lui. D'Alberto arrive aussi, il demande à parler seul à seul avec lui. Mariana s'en va. Patricia, pendant ce temps, raconte à Coco ses problèmes de couple. Coco finit par lui proposer le job de chauffeur de l'entreprise des Salvatierra à son mari. Dans le bureau pendant ce temps, Luis dit à D'Alberto qu'il ne lui fera plus confiance. Mais celui-ci lui redonne sa confiance. Il lui fait comprendre les affaires. On gagne, parfois on perd. Il se prend dans les bras. Léon et Victor de l'autre côté jubilent. Ils se disent aussi que Mariana et Luis Alberto vont leur poser des problèmes. Victor propose de se charger du cas Mariana comme ils ont fait avec Sandra. Mais pour Léon, ils peuvent éveiller les soupçons. Il refuse ce plan. Mais une idée lui vient. Vu que Soraya veut s'en prendre à Mariana. Mariana, pendant ce temps, dit à Luis Alberto qu'elle aimera toujours, quelle que soit la situation. Elle emmène ensuite se balader. Eduardo, Uriel et D'Alberto, pendant ce temps, se questionnent sur ce qui se passe. Il leur demande d'investiguer pour comprendre ce qui se passe. Pendant ce temps, Mariana, Luis Alberto se baladent tout en mangeant leur glace. Soraya, elle, va voir sa voyante. Elle lui demande de se débarrasser de Mariana. Celle-ci finit par lui donner une autre adresse pour faire ce travail. Pendant ce temps, la wedding planner propose à Mariana que son mariage se déroule dans une cathédrale. Mais Mariana refuse, elle veut que son mariage se déroule dans l'église du père Guillermo. Mais la wedding planner n'est pas emballée par cet avis. Elle lui rappelle que c'est un Salvatierra qui va se marier. Soraya pendant ce temps, sans en dire plus, dit à Léon qu'elle a un plan pour se débarrasser de Mariana. Léon n'apprécie pas du tout que Soraya lui cache ce plan. Le couple de l'autre côté a hâte de se marier. Léon rentre chez lui et demande directement à Victor de suivre Soraya. Soraya, elle, fait sa valise. Sofia arrive aussi. Elle ne comprend pas pourquoi Soraya s'éloigne d'elle. Soraya lui dit qu'elle va bien. Sofia voit sa valise et lui demande où va-t-elle. Mais Soraya lui dit qu'elle va régler quelques petites affaires. Mariana et Brittany, de leur côté, présentent leur modèle à la wedding planner. Mais celle-ci n'est pas emballée par ses modèles. Mais Mariana veut ses modèles. La wedding planner en a marre. Elle s'en va. Elle tombe sur Luis Alberto. Elle dit à Luis Alberto que Mariana est vraiment compliquée. La wedding planner décide d'abandonner. Elle s'en va. Luis Alberto et Daniela se mettent à rire. Luis Alberto propose donc à Daniela de l'aider pour la préparation du mariage et l'accepte. Il rejoint ensuite Mariana et Brittany. Il embrasse Mariana devant Brittany. Brittany gênée les laisse. Elle tombe sur Santiago plus loin qui l'embrasse.
Il lui dit d'avoir ses parents. Daniela, de son côté, évoque les souvenirs de leur mariage à Don Alberto. Don Alberto est heureux. Il propose à Daniela d'aller se reposer à la Villa do Bravo. Victor, pendant ce temps, suit Soraya, qui va voir un féticheur. Don Alberto lui dit à Mariana, c'est son fils unique qui va se marier. Il fait comprendre à Mariana, ça doit être un mariage grand. Mariana finit par céder. Soraya, elle, arrive quelque part. Elle demande l'adresse du féticheur. Santiago et Britney, eux, vont voir les parents de Britney. Mais le père de Britney ne le calcule pas. Santiago leur dit qu'il est là pour officialiser leur union. La mère de Britney est heureuse pour sa fille. Le couple de l'autre côté passe du temps en amoureux. Ils sont dans la piscine. Après cela, ils vont faire l'amour dans la chambre. Pendant ce temps, un homme emmène Soraya dans une pirogue voir le féticheur. Victor la suit toujours. Elle retrouve le féticheur. Il appelle directement par Soraya Montenegro. Elle lui demande « Comment connaît-il son nom ?» Il lui dit « Que veut-elle ?» Soraya lui montre un papier. Il lui dit « L'herbe qu'il lui donnera tuera toute personne qui la mangera. » Soraya accepte et elle est prête que Mariana meure. Fin de l'épisode 27.